Just to begin, if you could start by introducing yourself and telling the listeners a little bit about you. Je suis Aboubakar Nabi Silla. Je suis jeune leader de la société civile guinéenne. Je suis membre du mouvement Sékou Touriste Guinée, donc secrétaire général et administratif du mouvement Sékou Tourisme en Guinée. His name is Aboubakar Namisila, and he is the general secretary of the movement Sékou Touriste of Guinea. Excellent. Thank you so much. So, to begin, we could just ask a question for a little bit of the history of French rule in Guinea and how the French rule ended in 1958, the referendum, and what the French did when they were leaving and ending colonialism in Guinea. D'accord, c'est un plaisir pour moi de pouvoir répondre à cette question. D'abord, je suis licencié, je suis détenteur d'une licence en histoire des relations internationales précisément. Et donc, la France a été la mère patrie de la Guinée comme plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, durant une soixantaine d'années, la Guinée a été colonisée par la France. Et cette colonisation a connu plusieurs étapes. Et beaucoup de choses ont été faites. Comme on a l'habitude de le voir, les différentes formes d'occupation coloniale en Afrique. Donc, la Guinée, à l'instar des autres pays, a aussi connu ces différentes formes d'occupation. Et cela n'a pas épargné les différents secteurs du pays. Donc sur le plan, les différents plans, donc sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, la colonisation a eu des effets partout. Et donc après une période allant dans les soixantaines d'années, des mouvements syndicalistes ont commencé à s'ériger. Une prise de conscience populaire a commencé à germer chez certains leaders, notamment le camarade Ahmed Sékou Touré et plusieurs autres de ses camarades. Donc, ce sont ces mouvements syndicalistes parce que ça vient aussi de la France. C'est la France aussi à travers la prise de conscience qui a eu lieu là-bas. Donc, beaucoup de frères africains, noirs africains, ont aussi pensé que la France ne pouvait plus continuer à coloniser leur pays. Donc, il fallait mettre en place des mécanismes pour sortir des griffes de la colonisation. Donc, ça a commencé par les mouvements syndicalistes. Donc, ces mouvements syndicalistes se sont érigés en porte-parole du peuple. Et ils ont conscientisé le peuple, ils ont informé, formé le peuple jusqu'à ce que le peuple dans son entièreté a pris conscience et puis on a commencé à demander la liberté, à parler de liberté, d'indépendance et de souveraineté. Donc des groupes de pression ont commencé à se mettre en place dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest qui étaient sous la colonisation de la France, notamment le Mali, le Sénégal, et voilà, les autres pays, la Côte d'Ivoire, ont commencé, les leaders ont commencé à se réunir, à créer déjà des groupes, par exemple le RDA, le Rassemblement démocratique africain, donc a eu naissance. Et ce sont ces groupes qu'on pouvait appeler à l'époque des groupes de pression. Donc c'est tout cela qui a conduit à l'indépendance et à travers une prise de conscience collective des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Donc
La Guinée a été au niveau de l'Afrique de l'Ouest ici pratiquement le deuxième pays après le Ghana. En 1958, la Guinée a demandé son indépendance à la France et parce que le général de Gaulle avait entamé une série de tournées en Afrique de l'Ouest et dans les différentes colonies. Avant cela, les responsables de ces pays s'étaient réunis et pour s'entendre d'une seule voix et puis dire non à la France, à la communauté franco-africaine. Parce que le monsieur qu'on appelait Gaston Defferre avait, à la place de l'indépendance totale que les pays africains avaient demandé, la France avait proposé ce qu'on appelle la communauté franco-africaine. Donc, cette communauté franco-africaine a été interprétée différemment par les leaders africains à l'époque. Le camarade Ahmed Sékou Touré, lui, il a compris ça de sa manière avec ses camarades sociaux, culturels et tout. Donc, les autres pays ont préféré une semi-indépendance. Quant à la Guinée, quand le général est venu ici le 25 août, bientôt qui arrive le 25 août 1958, le camarade Sékou Touré, dans son discours, a dit que la Guinée préférait la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Donc, le général de Gaulle avait compris que la Guinée, franchement, avait besoin de son indépendance et indépendance totale. Et donc, le 28 septembre, le référendum s'est tenu et le 8 à l'indépendance a emporté sur le non. Plutôt le non à la communauté française, je m'excuse, le non à l'adhésion de la Guinée à la communauté franco-africaine a emporté sur le oui. C'est ce qui a conduit le pays à l'indépendance au lendemain du 28 septembre. Donc le 2 octobre 1958, la Guinée a officiellement déclaré son indépendance au monde entier. Voilà ce qui s'est passé. Okay, so he has a licence in history and international relations, so he knows quite well the subject. So France was the motherland of Guinea for over 60 years. Like many other countries in sub-Saharan Africa, there were several phases of colonization. And like the other countries, Guinea has gone through all these different phases. So it's important to say that Guinea is amongst the first countries in the French colonial empire to become independent. And that's because there was in Guinea a very, very strong syndicalist movement. And among this syndicalist movement, there was a certain Ahmed Sékou Touré, who was a syndicalist and who fought against the colonization. So there was this syndicalist movement fought strongly against the colonization. It's important to add, and that's my addition, the Communist Party and the syndicalist movements in Europa also were against the colonization. If you look the propaganda of the 20th century, it's where the communists and anarchists, syndicalists who fought against it. So the European syndicalists and the African syndicalists both worked against the colonization. So these syndicalist ideas were taken over by the sub-Saharan Africans, and there were also a popular conception about the problem of the colonization. So you had on one side the syndicalist movement who fought against the colonization, but at the same time the population who started to become more and more conscious of the problem of colonization and who started to make pressions on the French government. You had amongst these movements who emerged during the phase of the decolonization, the Rassemblement Démocratique Africain, so the Democratic Assembly, the African Democratic Assembly, who was you would say today a lobby group who wanted to make sure that the African colonies
became independent. So, how it was said before, Guinea is one of the first countries to become independent. What happened? De Gaulle was making a tour in Africa, and he had a plan. His plan was to propose the Africans to join the French African community. So, in fact, it was some kind of commonwealth. So a more centralized commonwealth. But Ahmed Sékou Touré was firmly against it. So in Guinea, there were extremely strong opposition and a refusal to join this French-African community, which in fact would have prolonged the status of semi-colonization. There was in 1958 a referendum. The question who was proposed was, so, do you agree to join the African French community, or if you say no, then you Guinea becomes independent? And apparently main argument was to say that if you join this community, it's better for the economy of Guinea, it's better for the prosperity. But so there was this phrase, if we translate, means we prefer to be free, no, to be poor but free, than to be rich but slaves, mm-hmm. and to be colonized. Mm-hmm. So, and in fact, what happened is the referendum was lost. That means that Guinea didn't join this French African community and became one of the first sub-Saharan African countries to be independent. So it's quite interesting to see that it's one amongst the first. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Oh, thanks so much. And thank you for translating the expression and the answers. I'd like to ask a little more about the historical reaction of the French settlers who were in Guinea when the vote was taken to declare independence, and how they reacted by taking everything out of the country, burning a lot of the country down. So a little bit of what the reaction from the French who were colonizing in the country was. Bien, moi je vais globaliser cela par la réaction de la France d'abord. Le général de Gaulle s'est senti très offensé le 25 août dans le discours tenu par le camarade Ahmed Sékou Touré. Il ne s'y attendait pas du tout. Il a été très surpris par ce discours. Il y a des personnes même qui disent que ce n'est pas le discours là que la commission de réception avait rédigé, que c'est Ahmed Sékou Touré même qui avait glissé certaines expressions comme celles que je viens de vous envoyer dans ce discours pour faire comme le cordon allait être coupé carrément entre la France et la Guinée. Donc, quand le général de Gaulle s'est retourné, il faut dire que le lendemain n'était pas le meilleur. Voilà, il est parti, franchement, si on peut le dire ainsi, il est parti saboter tout ce qui était de la Guinée à l'extérieur. Il est parti, franchement, engager une vaste campagne de sabotage de la Guinée auprès des autres pays européens et qui ont immédiatement aussi fermé toutes les portes devant la Guinée. Voilà, et il a fallu que le camarade Ahmed Sékou Touré à l'époque se tourne vers le Ghana, Kwame Nkrumah et les pays soviétiques qui sont venus en aide à la Guinée pour s'en sortir. En ce qui concerne, ça c'est la réaction globale de la France face à la situation. En ce qui concerne les Français qui étaient là, l'ordre a été donné à ce que tout ce qui appartient à la France soit renvoyé de la Guinée. Voilà, et c'est comme ça tout. Il y en a même qui disent que même les plans cadastraux, tout ce qui est appartenait, parce qu'il y avait un plan déjà établi, plan de construction, tout ce que la France n'a pas pu envoyer,
l'ordre a été donné à ce que tout cela soit détruit, soit incendié ou en tout cas détruit pour que ça ne serve pas à la Guinée. Tous les fonctionnaires français ont reçu l'ordre de quitter le pays et ils ont reçu c'est pas un délai, voilà, au cours duquel ils étaient franchement obligés de quitter le pays. Bien entendu, il y avait déjà d'autres Français qui avaient eu des mariages avec des femmes guinéennes. Voilà, à ne pas oublier, il y en a qui se sentaient vraiment chez eux. Donc, il y en a qui ont décidé de rester, hein. Il y en a qui ont décidé de rester malgré tout. Voilà, mais leur sort, la France avait été claire, leur sort n'appartenait qu'à eux. Voilà, celui qui décidait de rester, la France n'avait rien à faire avec lui parce que tout était coupé. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de témoignages qui attestent ce que je dis. Et il y a des livres dessus, des témoignages de ceux qui ont vécu même ces temps, parce que nous avons eu la chance au sein de notre mouvement de côtoyer, d'écouter, d'échanger avec certains témoins, des témoins oculaires et auriculaires de cette histoire, des compagnons de l'indépendance, de camarades Ahmed Sékou Touré, comme il y en a qui vivent encore. Et d'autres sont morts l'année dernière. Il y a le camarade Biro Kanté, qui est un compagnon de l'indépendance, qui a assisté à tout le processus de l'indépendance de la Guinée. C'était quelqu'un qui était très ouvert, auprès de qui j'ai beaucoup appris sur l'histoire de ce pays. C'est ce qui me permet d'ailleurs de vous donner toutes ces informations. Et il y a d'autres encore, le camarade Ismaël Kondé qui vit encore. Il y a d'autres témoins de l'histoire qui vivent. Donc, qui ont témoigné que la France avait ordonné d'enlever tous ceux qui appartenaient à la Guinée. Et la France est partie s'opposer même à l'adhésion de la Guinée à l'Organisation des Nations Unies à l'époque. Il a fallu beaucoup, beaucoup de plaidoyers, beaucoup de démarches à la Guinée pour qu'elle puisse se faire accepter au sein des Nations Unies en 1982. Excusez-moi, donc au 192, bon, j'ai pas cette date en tête, excusez-moi. En tout cas, il a fallu beaucoup de démarches pour que la Guinée puisse se faire accepter au sein de l'Organisation des Nations Unies. Et la France avait mis son droit de veto et a refusé carrément que l'organisation accepte l'adhésion de la Guinée. Donc voilà, ceux qui aussi vivaient en France, il y a eu des complots, il y a des gens qui sont restés, il y a eu des complots dans lesquels plusieurs Français qui avaient la nationalité guinéenne, ils étaient impliqués dans ces complots. Il y en a qui disent que la France avait préféré laisser certains de ses ressortissants aussi pour que ceux-ci puissent lui donner des informations. C'était en quelque sorte des taupes qui sont restées dans le pays, qui donnaient des informations sur la Guinée à la France. Et donc, voilà ce que je sais en ce qui concerne cette question. Parfait, merci beaucoup, surtout pour tous ces détails. So, merci, c'est moi qui vous remercie. So, Aboubakar is explaining there were, in fact, two kinds of reaction. First, we have the official reaction of the French government, who this, in fact, was quite insulted by the results. So De Gaulle, apparently, he was insulted and furious. So he left the country on a bitter note. There is a story about the fact that the speech of Sékou Touré was not supposed to be as harsh as that. That in fact Sékou Touré took some liberties and changed the speech. So the phrase "Nous préférons la liberté en pauvreté à la richesse dans l'esclavage." Apparently, that was himself who added it mid in the speech, and apparently De Gaulle didn't took it quite kindly.
So he was very, very angry. And the French government started a campaign of sabotage on a large scale. They did everything to make the independence quite hard. Everything that could be evacuated was evacuated. Above all, official documents, like documents that you need to property registers, so or land registers, everything that you need to govern a county was taken away. And if they couldn't take it away, it was burnt. And apparently, these are not some unjust accusations. Abu Bakr explains that he has spoken himself with people of this time, like a certain Ismail Gondé, who explained him that really these are facts, that France did everything to destroy and sabotage the independence. Also, France tried to close all diplomatic doors with the other countries, which made that Sékou Touré had to turn to Ghana, so here, and to the Eastern Bloc, so with the Soviet Union, so with the communist world. He opened relations, but more because there were no other countries, because de Gaulle wanted really to isolate Ghana and to avoid that Ghana had diplomatic ties with other countries. So they took everything, they burned what they could. It's important to say that not all bureaucrats of France obeyed these orders. So a large part went away from Guinea, but some who in fact had married Guinean women, in fact wanted to stay and to remain in Guinea. But what happens is that France told them that you are on your own, we don't help you. So, in fact, all these facts are, in fact, quite well sourced. So you have sources, you have archive material, you have people of this time who can certify that it's true. So really, you have France who tried everything. France was even opposed that Guinea entered the United Nations. And there were also plots. So in fact, France apparently tried to mount plots inside of Guinea. Voilà. Thanks so much. Thank you, Abu Bakr. Thanks, Alexandre, for the translation. I'd like to talk a little about Ahmed Sékou-Touré's personal life, his history, his family, sort of the environment he came from, and especially his ideology, you know, what his sort of thought was as we talk about when he's going to become the president of Guinea, what his views are, and as you referenced at the beginning, Sékou-Tourisme, of the kind of ideology that he was advocating. Pardon. La biographie d'Ahmed Sékou Touré est très vaste. Si on commence à parler de cela tout de suite, ça va nous prendre assez de temps. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'il est né, en résumé, il est né le 9 janvier 1922. À Farana, et donc Farana c'est une des régions de la Guinée, qui se trouve vers quelque chose de 300 et quelques kilomètres de la capitale guinéenne. Donc c'est de là-bas il a commencé, parce que Sékou Touré c'était un grand leader, il a commencé son leadership depuis très jeune. Et donc, quand il est venu à Conakry pour ses études, plutôt pour ses combats, donc c'est là que il a commencé à s'affirmer à travers, comme je vous disais tout à l'heure, le syndicalisme auquel il s'était intéressé. Et donc, c'est là il a commencé à affirmer son leadership jusqu'à devenir chef de groupe syndical qui était là à l'époque. Donc, jusqu'à la conduite du pays vers l'indépendance, d'abord à travers des voyages, des rencontres avec les autres leaders syndicaux
de l'Afrique et d'autres pays à l'étranger. Et donc, partout où il passait, c'est lui qui était le plus remarquable des Guinéens, parce que c'était un homme très intelligent, un homme élégant, un homme... Alors là, quand il commence à parler, il haranguait, donc il a, à travers le ton qu'il employait dans son discours, il parvenait franchement à maîtriser l'attention de la foule sur ce qu'il disait. Et il était élégant, il était humain, et surtout il était un grand patriote qui aimait beaucoup son pays, donc qui était prêt à tout faire pour son pays, même si sur ce point de vue il n'a pas été très bien compris par beaucoup de personnes, parce qu'il y en a qui disent qu'il est allé trop loin, que se le fait à souffrir, parce que jusqu'à présent certains pensent que la France continue sur la Guinée. Donc voilà. Et après l'officiel de l'indépendance, l'accession du pays à l'indépendance, donc la déclare que voilà, c'était parti, et il a été à travers des élections qui ont été organisées, donc il est devenu le premier président de la Guinée. Et c'est là qu'il a commencé à entamer des démarches pour que la Guinée puisse s'en sortir financièrement, économiquement. Et il a fait recours à plusieurs pays dans ce sens. Et surtout les pays soviétiques ont beaucoup aidé la Guinée. Et à l'époque, pour sur le plan financier aussi, le Ghana a été d'ailleurs un vrai négociateur. Même la France, après l'accession du pays à l'indépendance, après son adhésion, l'adhésion de la Guinée à l'Organisation des Nations Unies, Sékou Touré a délégué un monsieur qu'on appelle Nabi Youla vers la France pour aller rétablir les relations entre la France et la Guinée. Il n'a pas considéré la Guinée comme un pays ennemi, mais plutôt un pays partenaire maintenant avec qui la Guinée pouvait avoir encore des relations sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan culturel, sur le plan politique et tout. Donc, il ne s'est pas montré orgueilleux envers la France, c'est ce qui est clair, c'est ce que l'histoire retient. Donc, sinon, c'est lui qui a fait le premier pas, il est parti vers la France, ce monsieur est parti, il a tout fait, il a eu beaucoup de difficultés, c'est la vie, il a rétabli les relations, mais finalement, il a pu faire ce qu'il pouvait, et puis voilà, les choses ont commencé à redevenir un peu normal. Et Sékou Touré a entamé plusieurs voyages à l'époque, il est parti dans plusieurs pays, le Cuba, la Chine, la Corée, il avait des idéologies partagées avec tous ces pays. Maintenant, malheureusement, il souffrait d'une maladie liée un peu à sa respiration, le cœur. Donc, c'est cette maladie qui a fini par l'emporter le 26 mars 1984. Et voilà, c'est ce qui concerne... un peu ce que je peux dire sur sa biographie. Comme j'ai dit, c'est très long. Elle est très longue, sa biographie. Il y a tout un livre que vous pouvez trouver sur ça ou une brochure. Et en ce qui concerne son idéologie, l'idéologie de Sékou Touré, les gens n'ont pas bien compris. Il y en a qui pensent qu'il était socialiste, d'autres pensent qu'il était un peu capitaliste, un peu socialiste, donc mélangé comme ça. Moi je pense que, c'est là un avis partagé par plusieurs de mes professeurs historiens. Sékou Touré avait une idéologie partagée entre les années 90, ça c'est après lui. Mais
Voilà, il était un peu plus socialiste, parce que quand on voit les démarches qu'il a menées, toute la diplomatie qu'il a entamée à l'accession de la Guinée à l'indépendance, c'était le pays socialiste qui était beaucoup plus nombreux dans ses fréquentations, voilà, qui lui était venu en aide, qui pensait que franchement c'est quelqu'un qui était purement et durement socialiste. Voilà. Mais moi, j'ai dit que Sékou Touré était patriote. Parce que quelqu'un, on ne peut pas dire forcément qu'on est socialiste ou bien on est capitaliste à travers ce qu'on fait. Non. C'était un patriote. C'est ce que nous nous retenons de lui. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son pays. C'est quelqu'un qui était humaniste. Et parce que il y a beaucoup de gens qui ignorent encore que, par exemple, quand on prend Myriam Makeba, la Guinée, Myriam Makeba était bien sûr sud-africaine, mais elle avait un passeport guinéen. Elle a une résidence ici, en Guinée, que Sékou Touré lui avait donnée au nom de l'État guinéen. Il y a, voilà, le président sud-africain, Nelson Mandela. Ont eu beaucoup de bonnes relations avec Ahmed Sékou Touré. Il y a beaucoup de grandes personnalités africaines qui étaient persécutées chez eux, qui étaient reçues en Guinée comme des Guinéens auxquels la Guinée avait offert, Sékou Touré, au nom de la Guinée, avait offert la nationalité guinéenne et tous les traitements qu'il faut pour cela. Donc, c'est ce que nous retenons de lui. C'était un grand patriote, un humaniste, quelqu'un qui a mis les valeurs humaines, la dignité humaine au-dessus de tout, même si cela n'est pas compris par beaucoup de personnes qui pensent que, contrairement à nous, c'était un sanguinaire, un tortionnaire et tout ça. Mais bon, ça, c'est comme ça la vie aussi. Ce que nous faisons dans la vie n'est toujours pas partagé par beaucoup de personnes de la même manière. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur lui dans ce sens. Parfait, merci beaucoup. Concerning Sékou Touré, so first the biography. That's wrong. Yes. What's important to say about him is that he was born in Guinea, 300 kilometers from the capital, in a city who was. I don't have it on the web. He's born in Guinea. He has gone to study at the current capital. It's also where he joined the syndicalist, and who he became the local chief of the syndicalist movement. He was quite inspired by these syndicalist ideas. What's important to say is also that he was quite eloquent. He spoke very well, and he was known for his speeches. He was also very known to be very patriotic and very human. He was sometimes accused to be too radical, to have gone too far, but Abu Bakr says that it's a bit unjust to accuse him of that because it was a quite complex situation at the time. But if you consider everything, he was in fact quite a humanist and patriotic person. He has fought for the independence of Guinea. After the independence, he becomes the first president, and he wants to allow Guinea to be able to be a free country, because the situation was very difficult at the start. Like we told before, De Gaulle tried everything to isolate Guinea, but he started to use his diplomatic skills to start opening relations with the Soviet Union and also with Ghana. And the story of Ghana is important because Ghana helped Guinea in the first years, like paying the administrative staff of the country. So Guinea
hasn't any money, and it was in fact Ghana who helped out, helped to pay the bureaucrats and the administration in the first time. What helped was that Sekou Touré was friend with the president of Ghana. So he had quite very good relations with the president of Ghana. He also tried in a second time to open relations, diplomatic ties with France. And here it's important to say that it was not France who started, who tried to have diplomatic relations with Guinea, but it was Sekou Touré who was the first one to make the first step, and he started to try to have positive relations with France. So under the idea of cooperation. So the idea was that Guinea and France would cooperate as two countries who are on the same level. He did a lot of diplomatic voyages around the world, in like Cuba, China, and Korea. The problem of Sekou Touré was that he had an illness, respiratory and of the health, who made that he died 1984 of his illness. But he was in fact so quite famous for to be a very, very good diplomat. So for his ideology, in fact, it's interesting because Abubakar explains that it's very, very hard to know what was his ideology. So some think that he was a socialist, some say that he was a capitalist. In fact, the people can't agree on it. Abubakar and his other historians, also his friends who are historians, they have this conclusion that yes, he was slightly more on the left, but he was above all a patriot and a humanist. So in fact, ideology was, yes, it was left-leaning, but he was not focused on that. He was more focused on the well-being of his country and also to defend the human dignity. So he also had very good relations with Mandela and with other South African politicians. In fact, what happened is that Guinea became a safe harbor for all politicians who were persecuted in Africa. So a lot of politicians who were persecuted could come to Guinea, and Sekou Touré gave them the Guinean nationality, so they could be safe. Some accused Sekou Touré to be bloodthirsty and very brutal. Abubakar thinks that it's a bit harsh on it. So he thinks it's complicated. And that, yes, if you take the historic context, there were complicated phases, but it's not his main characteristic. In fact, above all, he really tried to defend the human dignity and to be a humanist. Thank you, and thanks so much for the translation and for the answer as well. I'd like to ask a little bit for one example of what we were discussing, what Abubakar was discussing of his friendliness with other African revolutionaries and other African leaders, and discuss a little bit about the attack of Portugal against Conakry in 1970 to attempt to overthrow Sekou Touré as part of the war in Guinea-Bissau. And see kind of the history of that, if Abubakar knows about it, and sort of what was happening with the Portuguese attack in 1970. Évidemment, le 22 novembre 1970, la Guinée a été attaquée par des mercenaires. C'était des mercenaires composés de plusieurs nationalités, mais le Portugal, vu comme étant le pays qui avait où tout a été préparé et qui avait pris toutes les dispositions pour la réussite de ce complot. PAIGC exactement
Il a été aussi dit qu'il y avait des prisonniers bissau-guinéens ici à Conakry. Donc, il y en a qui ont dit que ce complot, c'était pour venir libérer ces détenus, ces prisonniers. Mais en fait, c'était pour vraiment renverser la Guinée, parce que après l'attaque, après le complot, quand même, il y a il y a une commission d'enquête qui a été mise en place par l'Organisation des Nations Unies même, ce qui me permet d'attester que, franchement, je suis sûr que de ce que je dis, parce qu'il y en a qui pouvaient penser que si c'est Sékou Touré qui avait fait mener des enquêtes sur ce cas, ça allait ressembler, le résultat allait ressembler à ce que lui, il voulait. Mais l'Organisation des Nations Unies même a mis en place une commission d'enquête qui a mené donc des enquêtes, donc qui ont fini par identifier les auteurs et les complices du dit complot, qui a situé la responsabilité, les différentes responsabilités, et a demandé à ce que la Guinée soit dédommagée. Donc, au retour, comment je vais appeler ça, en réponse à cette déclaration de l'Organisation des Nations Unies, donc que la Guinée soit dédommagée, je pourrais pour vous dire encore que c'était quelqu'un qui tenait à la dignité humaine, qui était vraiment un patriote. Il a dit que la Guinée, à la place du dédommagement qu'elle devrait recevoir des pays qui ont fomenté ce coup d'État, que la Guinée réclame la libération des pays qui étaient à l'époque encore sous la colonisation portugaise. Donc, les pays lusophones, c'est un peu le Cap-Vert, la Guinée-Bissau Angola, je crois. Et la Guinée, l'Angola, la Guinée équatoriale. Donc, voilà, la Guinée, Sékou Touré a dit qu'il préfère que ces pays soient totalement décolonisés, donc en contrepartie des dédommagements que la Guinée devrait recevoir des pays qui ont été condamnés à verser des dédommagements à la Guinée. Donc, voilà ce que je sais en résumé sur cela. Mais, il y a aussi des gens qui disent que tout cela, tous ces complots sont des fausses déclarations, donc que Sékou Touré était devenu paranoïaque, donc il créait des complots un peu partout. Mais le témoignage de la personne qui était de garde le jour même de l'attaque, j'ai échangé avec lui, certains camarades de notre mouvement et moi, nous sommes partis lui rencontrer, il est là à Conakry, je crois il vit encore. Il nous a dit que c'est lui qui était de garde ce jour-là, parce qu'il y avait toutes les côtes guinéennes étaient, à Conakry ici, étaient gardées. Donc, le monsieur, si vous voulez, vous voulez que je vous donne son témoignage, hein, est-ce que ce serait bien pour plus de détails? Oui, pourquoi pas? Moi, je pense que ça ne peut pas faire du mal. Ça peut plus voilà. Être intéressant. Voilà. Donc, le monsieur nous dit que ce jour-là, c'est lui qui était des gardes. Et il a vu un bateau, une navette, je m'excuse, parce que le bateau dans lequel les complotistes étaient venus, bon, l'opération s'appelait, je ne sais pas, Mer Verde, quelque chose, c'est une expression un peu portugaise, Mer Verde, nous on dit Mer Verde. Donc, quand le monsieur a repéré une navette
qui se dirigeait vers les côtes de Conakry. Il a demandé à son coéquipier, ils étaient deux, de garde ce jour-là, il a demandé à son coéquipier, est-ce qu'il y a des débarquements qui ont été enregistrés? L'autre lui a demandé de le laisser vérifier sur la liste parce qu'ils avaient un registre là-bas dans lequel tous les débarquements ou embarquements qui se faisaient étaient notifiés. Donc son coéquipier lui a dit non, il n'y a pas de débarquement enregistré, c'est prévu aujourd'hui. Il dit ça c'est un problème. Donc ils se sont proposés d'appeler leur état-major, leur responsable. Ils ont appelé là-bas, évidemment ce dernier a confirmé qu'il n'y avait pas de débarquement prévu. Mais bon, vous savez, Sékou Touré avait une politique d'information très en avance. Et il y avait des rumeurs déjà que lui, il avait à sa possession, des rumeurs selon lesquelles la Guinée allait se faire attaquer. Mais la date, l'heure, le lieu n'était pas connu de lui. Donc, parce qu'il y a certains qu'on appelle même, qu'on appelle historiquement ici, la cinquième colonne. Donc ce sont des patriotes guinéens même qui ont pris part au complot, donc qui ont été achetés, dont les consciences ont été achetées par les complotistes, qui ont reçu de l'argent, des gens qui cherchaient des informations, donc qui préparaient aussi l'arrivée des assaillants. Qui était en cours, donc au niveau à l'interne, c'est pourquoi on dit cinquième colonne. Et ils étaient à l'interne, ils étaient en Guinée, ici à Conakry, ils préparaient l'arrivée des assaillants. Donc ces informations-là, Sékou Touré les avait, mais ils ne savaient pas à qui il fallait avoir plus d'informations sur l'heure, le lieu de l'attaque et le jour même. Donc dès que l'alerte a été donnée, c'est cette alerte précoce de l'arrivée des assaillants qui a fait que l'attaque n'a pas réussi comme les assaillants s'attendaient. Parce qu'ils ont trouvé que beaucoup de choses ont été mises en place en un laps de temps pour les repousser. Donc voilà ce que le monsieur nous a dit. Il dit qu'ils ont alerté tout de suite le haut niveau. Même le président a été informé en un laps de temps, et il a commencé la mobilisation des unités de sécurité et de défense à l'époque. Donc des dispositions ont été prises pour repousser les assaillants. Donc voilà ce que je sais sur cette question. Parfait, merci beaucoup. Well, so what Aboka explains is that yes, you had this attack the 22 November 1970. So Guinea was attacked by mercenaries from different origins, but the main instigator of the attack was Portugal. So Portugal did a plot to overthrow the Guinean government. So at first, the excuse was that the story is that that it was an attack to liberate prisoners, but in fact, it was real. In reality, it was an attack on the Guinean government, and apparently, this is historically confirmed by facts. You have the United Nations who investigated the affair. And in fact, did a conclusion, making clear who were the instigators. Then you have the African organization, I think today is the African Union, who in fact condemned Portugal and asked that Portugal give payments for the attack on Guinea. And here you have exactly the Sékou Touré, who show his character. In fact, Sékou Touré told that he didn't want payments, but he preferred that in exchange, Portugal liberated all his colonies in Africa.
So that's Cape Verde, you have Angola, Guinea-Bissau. All these countries had to be liberated and give their independence. So in fact, you can see here that Sékou Touré wasn't really for the money, but more for this idea that Africa need to be independent. So some say that this attack was a fake attack, that Sékou Touré had gone completely paranoia, and that he started to make fake attacks on Guinea. But Aboubakar is telling that he has spoken to a person who was on guard duty on the night of the attack. And this person has said that he has seen that people were coming in. He checked the register for the entries and in the country, and this ship was not a ship that had clearance. So this ship wasn't authorized to enter the country. And in fact, it was. Then he told his superior, who then alerted the president. And in fact, it was this early alert who helped to push the attack back to the sea. So in fact, it avoided that the attack succeeded, which makes that Sékou Touré was probably already informed that it may have an attack, but he didn't know where and when. But apparently, Sékou Touré had managed to catch some infiltrators, so people, Guinean people who were on the side of Portugal. It's the famous cinquième colonne, so the fifth column. Mm-hmm. And he knew that an attack was planned, but he wasn't really, he had not the information about when and where. But at the moment where he had the alert, he mobilized the army and he reacted quickly, which in fact indicates that he had probably already prepared things, knowing that there was a risk of an attack. And that helped to avoid that the Guinean government was well overthrown by these foreign mercenaries. Excellent. Thank you so much. I have two more questions. I want to know a little bit about what happened after Sékou Touré died and was no longer president, with Vansana Conte and Alpha Conde as the next presidents after him. And then as well, a little bit about the current state of politics and the government in Guinea, with the military government that has come into power last year, and what the sort of legacy of Sékou Touré is in Guinea today, how people think about him. Is he still a figure that people look to for ideology, for inspiration, especially now with the new government of the military in power? J'ai dit à la mort d'Ahmed Sékou Touré, comme dans tous les pays du monde, quand le président meurt, il y a le pays est vraiment chamboulé. Et voilà, il y a eu une crise psychologique, sociale et politique. Et en même temps, après sa mort, parce que quand même, il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui a dirigé durant ces 26 ans le pays avec une main de fer, parce que ça, il le fallait. Il y en a qui ont très mal compris cela, ils pensent que c'était un dictateur. Mais s'il n'avait pas dirigé le pays comme il l'avait fait, la France était prête à enlever à la Guinée son indépendance. Et cela en complicité avec certains Guinéens même. Donc c'est pourquoi il était prêt à tout faire pour protéger l'indépendance de la Guinée. Donc quand il est mort, il y en a, la population, quand j'ai dit crise psychologique, il y a des gens qui nous racontent jusqu'à ce jour qu'on n'osait même pas annoncer sa mort. Même les radios, je connais un vieux, il dit quand il a appris la mort de Sékou Touré, il a écrasé sa radio. Il a écrasé sa radio pour ne pas entendre que, pour ne pas que les gens apprennent que c'est dans sa radio qu'on a appris la mort de Sékou Touré.
Donc, il était, comme l'a dit Ibrahim Babakaké, un écrivain guinéen, un grand historien qui vit aux États-Unis. Et il dit, son ouvrage s'appelle Sékou Touré, le héros et le tyran. Oui, le héros et le tyran. Donc, à la fois, il est un héros pour certains, comme moi, qui l'admire, qui le comprend dans ce qu'il a fait. C'est un tyran pour d'autres qui ne l'ont pas compris, qui n'ont pas compris ses démarches, ses méthodes de gouvernance. Donc, dès sa mort, il y a quand même, il y avait quand même. La Guinée n'était pas tellement organisée de sorte que les choses puissent se passer comme il le fallait. Donc, l'armée, c'est ce qui a conduit directement l'arrivée de l'armée au pouvoir, chapeautée par le colonel Lansana Conté à l'époque. Donc, c'est lui qui l'a remplacé. Et à noter que Lansana Conté était un des gardes rapprochés, un homme de confiance de Sékou Touré. Donc, il connaissait beaucoup de choses de lui. Il l'accompagnait dans beaucoup de ses voyages. Donc, il y en a même qui disaient que Sékou Touré avait pressenti son remplacement par Lansana Conté, même s'il ne l'a pas dit ouvertement. Donc, tout portait à croire que c'est lui qui allait venir, Lansana Conté qui allait venir après Sékou Touré. Donc, à son arrivée, ils ont tout de suite créé, c'était des putschistes, il faut le dire. Et voilà, une junte militaire comme maintenant. Donc, quand ils sont venus, ils ont créé le comité militaire de redressement national, CMLN. Ils ont créé cela. Et donc, ils ont décrété la suspension de la Constitution, de toutes les institutions, la dissolution de l'Assemblée, tout ce qui était en place, comme on le sait d'habitude avec la junte militaire. Donc, tout était mis à plat. Ils ont tout repris à manu militari. Et donc, c'est comme ça le pays a été géré. Et entre Lansana Conté et ses compagnons, ils ont mis beaucoup de choses que Sékou Touré avait déjà construites. Ils ont détruit quand même beaucoup de choses, il faut le reconnaître, pour pouvoir construire d'autres. Parce qu'il y en a qui pensent que Lansana Conté est venu mettre à l'eau tout ce que Sékou Touré avait construit. Mais on sait, pour quelqu'un qui réfléchit honnêtement, il faut détruire certaines choses pour pouvoir construire de nouvelles choses. C'est comme une maison. Un pays, c'est comme une maison. Si on veut construire une nouvelle maison, on a une ancienne. Il faut détruire l'ancienne d'abord pour pouvoir construire la nouvelle maison. Donc, c'est ce que les militaires ont fait. Ils ont quand même détruit beaucoup de choses, mais ils n'ont pas pris le temps de vérifier tout ce qui était bien dans le régime de Sékou Touré qu'ils pouvaient garder comme acquis et s'en servir, améliorer. Donc, ils n'ont pas tenu compte de cela parce que c'était des personnes inexpérimentées qui n'avaient aucune expérience en matière de gestion d'un pays. Donc, ils ont failli passer à côté. Mais ils ont quand même instauré beaucoup de nouveautés qui ont permis au pays de connaître un décollage socio-économique, politique, ainsi de suite, parce qu'ils ont déclaré quand même, comment j'ai appelé ça, le libéralisme économique, la liberté d'expression, ainsi de suite. Donc, ils ont instauré en quelque sorte certains éléments de l'état de droit en Guinée. Ça, c'est venu avec Lansana Conté quand il est arrivé, parce que au temps de Sékou Touré, tout le monde n'avait pas droit à la parole. Et il n'y avait que la radio, une seule radio, la radio de la Révolution, parce que c'est ça aussi la différence entre un pouvoir démocratique et un pouvoir révolutionnaire. La révolution, c'est l'exigence. Donc les gens ne parlaient pas comme ils veulent, ils ne faisaient pas ce qu'ils veulent, ils étaient sous le contrôle de la révolution. Tout se faisait par la révolution, dans la révolution et à la révolution.
C'est ce que le pouvoir militaire est venu tout dégager. Ils ont instauré le libéralisme politique. Beaucoup de partis politiques sont nés. Et à leur arrivée, des radios ont été créées. La liberté d'expression donc, a commencé à leur époque. Des gens ont commencé à commercialiser, à faire des affaires. Donc, le climat des affaires a été amélioré à son époque. Voilà, entre autres, ce qui s'est passé. Et de façon résumée, l'ancien Conté, lui aussi, il a fait 24 ans. Hein, si j'ai bonne mémoire, donc, de la mort de Sékou Touré jusqu'en 2008. Voilà, et lui aussi, il est décédé en 2008, paix à son âme. Et voilà, et une autre junte militaire est venue à sa place et conduite par le capitaine Moussa Dadis Camara, donc, qui a été aussi renversé, bon, faut le dire comme ça, renversé, parce qu'il a été, il a reçu un coup de fusil, une balle au niveau de sa tête ici, donc par son aide de camp, voilà, qu'on appelle Toumba Diakité, donc à travers une dispute qui a eu lieu. Il y a eu beaucoup de choses sous son bref passage aussi à la tête du pays. Donc à son départ, il a été remplacé par Sékouba Konaté, qui était son ami, son homme de confiance. Donc lui, il est parti se faire traiter à l'extérieur dans un autre pays. Et le pays est revenu dans les mains de Sékouba Konaté, qui n'a pas duré aussi, qui a mis en place certaines choses comme l'organisation des élections de façon résumée. Donc il a organisé les élections et en 2010, il a passé la main à Alpha Condé. Donc à l'issue d'une élection présidentielle, Alpha Condé est venu au pouvoir. Et c'est ça. Et Alpha Condé aussi a fait un mandat, deux mandats. Ces deux mandats étaient finis. Et puis il s'est représenté. Il est passé par le changement de constitution. Il a changé le contenu de la constitution qui limitait son mandat à deux. Donc l'article 27 et 154 de la constitution guinéenne interdit un troisième mandat à un président. Donc lui, il a fait modifier cette constitution et c'est ce qui a fait qu'il s'est représenté à un autre mandat et l'élection a été organisée. Ça s'est tenu comme ça s'est tenu et il est venu au pouvoir pour la troisième fois. Le peuple n'était pas content. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des morts, des manifestations. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Le pays, économiquement, politiquement, socialement, rien n'allait à son époque. En tout cas, dans son troisième mandat-là. Voilà. Et des groupes sociaux se sont formés comme les forces sociales, comme le Front National pour la défense de la Constitution. Donc le FNDC qui s'est constitué à son époque pour l'empêcher de briguer un troisième mandat à travers une violation de la Constitution. Mais il a fait tout ce qu'il pouvait pour accéder au pouvoir pour la troisième fois. Donc le 5 septembre 2021, nous, Conakry, ici, on s'est réveillé le matin sous des coups de fusil au niveau du palais. Voilà. Et lui, à son tour, Alpha Condé a été débarqué par le colonel Mamadi Doumbouya, qui est actuellement le président. Donc, ce dernier est venu, il a été connu par les Guinéens en 2018
à travers la célébration de la fête nationale de l'indépendance 2 octobre au niveau du stade du 28 septembre, le plus grand stade du pays. Donc le monsieur c'est Doumbouya, Mamadi Doumbouya est venu avec son groupement force spéciale, donc que Alpha Condé même a créé pour utiliser quand il en avait besoin. Donc ce monsieur s'est fait découvrir là-bas ces jours-là. Et en 2018, le 2 octobre 2018, à travers un défilé que lui et un détachement de son groupement de forces spéciales qu'ils ont fait là-bas, au stade. Donc les gens l'ont découvert, c'est un grand gaillard bien arrêté, très, très battu. Voilà, et le 5 septembre, c'est à travers une vidéo live sur Facebook. Il déclare que il a le président, lui et ses compagnons, ils ont le président Alpha Condé. Il est en sécurité, rien ne lui est arrivé de mal. Ils ont vu que le pays, ça ne marche pas sur le plan économique, social, politique, rien ne marche. Le pays, il y a la gabegie financière, il y a le vol, le détournement des deniers publics, il y a la galère un peu partout, le peuple souffre. Donc c'est à cause de tout cela, il y a l'injustice, il y a les arrestations arbitraires. Donc ils ont cité beaucoup de choses, beaucoup de mots. Donc c'est que c'est à cause de tout cela, ils ont pris leurs responsabilités pour mettre le président en état d'arrestation et reprendre le pouvoir. Ils vont passer le pouvoir aux civils, mais ils vont redresser d'abord le pays. Donc, c'est comme ça qu'ils ont créé le CNRD. Donc, c'est comme ça ça c'est venu. Aujourd'hui, le pays est dans leurs mains. Il y a bientôt un an. Donc, ils ont posé des actes. Ils ont fait partir beaucoup de fonctionnaires qui devraient partir à la retraite il y a plus de 10 à 15 ans, qui servaient encore, donc qui bloquaient la fonction publique aux jeunes diplômés sortant des universités. Donc il n'y avait pas de travail dans le pays parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, qui devraient aller à la retraite. Ils ont amené ces gens-là à la retraite. Ils ont engagé plusieurs réformes qu'ils sont en train d'exécuter aujourd'hui, tant bien que mal, parce qu'il faut le reconnaître. Ils sont en train de voir comment s'en sortir. Des nominations sont faites tous les jours et des actes sont posés. Voilà. Mais bon, il y a des dérapages. Il y a des dérapages qui se font enregistrer aussi dans leur gestion. Mais tout cela, on peut compter cela comme étant des erreurs de personnes inexpérimentées comme les gentes passées, donc comme Lansana Conté, comme Dadis. Donc avec la gente, rien n'est rassurant. Donc voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Tant bien que mal, la Guinée s'en sort. Ils sont en train de voir comment conduire le pays vers les élections et pour qu'un civil vienne, et on va voir. Mais il y a des manifestations qui continuent. Il y a des gens qui sont arrêtés, des leaders de la société civile. Il y a des leaders politiques qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer. Il y a des gens qui sont en prison. Et des leaders politiques, des anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé. Et il y a même un qui est décédé ce matin, paix à son âme, donc un ancien ministre d'Alpha Condé qui est décédé en détention ce matin. Donc voilà ce que nous vivons actuellement, en résumé. Ok, et concernant l'héritage de ces coutourés, par exemple, à notre époque, en 2022, quel est, par exemple, le rapport de la jeunesse avec ces couturiers? Bien, merci de me rappeler. J'avais carrément oublié cette partie. Vous savez, nous, par exemple, la Guinée ne peut pas oublier ces couturiers parce que l'histoire de la Guinée est liée à ces couturiers. Vous savez, quelqu'un qui a eu le leadership de conduire tout le pays à l'indépendance à l'époque. On ne peut pas dire qu'il était seul, il n'était pas seul, il avait des compagnons, donc ce n'est pas lui seul qui a fait, mais c'est lui qui avait le lead. C'est lui qui prenait des décisions très importantes en concertation avec
ses compagnons. Donc, c'est lui qui parlait, c'est lui qui était vu. C'est pourquoi c'est lui qui est le plus condamné. Donc, le pays, partout où on parle de lui, on parle de la Guinée, on est obligé, l'histoire, partout où on parle de l'histoire de la Guinée, on est obligé, même si on ne l'aime pas, de parler de Sékou Touré. Parce qu'il a quand même beaucoup fait. Et d'ailleurs, je vois qu'il est, des fois, il est plus respecté dans d'autres pays que la Guinée. Quand nous prenons, par exemple, le Mali, quand nous prenons le Ghana, quand nous prenons la Guinée équatoriale, je m'excuse, quand nous prenons... en tout cas, il y a beaucoup de pays en Afrique où il y a encore des symboles nationaux qui ont le nom de Sékou Touré. Des ruelles, par exemple, qui portent le nom de Sékou Touré. Des monuments qui portent le nom de Sékou Touré. Il y a des pays qui célèbrent Sékou Touré. Le Mali célèbre Sékou Touré chaque année. La Guinée-Bissau rend hommage à Sékou Touré. Et donc... En Guinée, à un moment donné, les gens avaient entrepris du sabotage. Et son image, ils ont voulu ternir son image. Et le traitant des sanguinaires, des tortionnaires, de quelqu'un qui a mis le pays en retard à travers sa décision insensée, tout ça. Mais nous, à un moment donné, on a pensé qu'il fallait vraiment mettre fin à tout cela. Il fallait donner à Sékou Touré la place qui lui revenait dans l'histoire de la Guinée. Parce que même dans d'autres pays, il y a eu beaucoup de dictateurs, comme les gens aiment à le dire. Mais les gens n'aiment pas les personnes de principe, les personnes rigoureuses. Sékou Touré était un homme de principe, c'était un homme rigoureux. Et c'est pas... un régime démocratique qu'il avait, c'était un régime révolutionnaire. La révolution a ses exigences que les gens ne comprennent, les gens démocrates de la démocratie que nous sommes, que nous ne comprenons pas. On ne comprend pas les principes révolutionnaires, on n'aime pas les principes révolutionnaires. Donc aujourd'hui, Sékou Touré, du point de vue culturel, du point de vue historique, du point de vue social, politique, il a encore de l'héritage parce que il incarne aujourd'hui la grande partie de l'histoire de la Guinée indépendante. C'est lui qui a conduit le pays à l'indépendance. C'est lui qui a aidé plusieurs pays africains à aller à l'indépendance. Il a défendu la cause des peuples noirs de façon générale, pas seulement la Guinée. Il a défendu la cause des peuples noirs pour le respect de leur dignité. Et donc ici, en 2017, nous avons créé le mouvement, comme vous voyez, Sékou Tourisme, voilà le t-shirt. Voilà, en 2017, on a créé ce mouvement. Le mouvement c'est un mouvement apolitique. Et dedans, on ne parle pas seulement que du bien de Sékou Touré. Partout où nous parlons, nous reconnaissons que Sékou Touré était un humain. Donc, il a dû commettre des erreurs dans sa gestion. Il a dû commettre des erreurs, comme tout être humain. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas fait du bien. Donc, on doit parler du bien de lui, de ce qu'il a fait pour la Guinée, pour les autres pays africains et pour le monde entier. On doit lui reconnaître cela. Donc, c'est ainsi qu'on a institué cela à notre niveau, au niveau du mouvement Sékou Tourisme. Chaque année, nous célébrons le 9 janvier, la date de sa naissance. Le 22, je m'excuse, le 26 mars de chaque année, la date de son décès. Nous célébrons cela à travers des conférences que nous organisons, à travers des débats avec des témoignages des personnes qui ont vécu avec lui, des fois sa femme, des fois ses compagnons, des fois sa fille Aminata Touré, paix à son âme, qui est décédée. Et nous faisons cela chaque année. Nous célébrons aussi les dates historiques du pays. Le 25 août, donc le 25 août, la date de l'arrivée de général de Gaulle en Guinée. Le 27 août, la date du décès de Saifoulaye Diallo, qui était un compagnon de l'indépendance, un compagnon, très bon ami de Sékou Touré. Le 28 septembre, la date du référendum de la Guinée, nous fêtons cela aussi.
le 2 octobre, la date de l'indépendance. Voilà, ainsi de suite, il y a beaucoup de dates qui avaient commencé à être oubliées en Guinée à travers l'arrivée des gentes qui ne cautionnaient pas du tout la célébration de ces dates. Donc, c'est le mouvement sécutourisme qui s'est porté volontaire et a relancé la célébration de ces fêtes et qui sont aujourd'hui répandues dans tout le pays. Donc, aujourd'hui, les gens... on parle partout de ce Couturé, on parle partout de lui. Vous voyez, l'un des actes qu'a posé l'actuel président Mamadou Doumbouya, c'était de renommer l'aéroport international de Conakry, aéroport Ahmed Sékou Touré. Le patrimoine, comment j'appelle ça, immobilier de Sékou Touré, les cases de Bellevue, qui est sa propriété privée, mais qu'il avait réservé pour les hôtes qui venaient, donc les présidents qui visitaient la Guinée, c'est les cas de Bellevue là qui recevaient ces visiteurs, c'est là-bas ils faisaient des rencontres, c'est là-bas ils logeaient certains. Donc, mais c'était sa propriété privée, mais qu'il avait cédé pour ces hôtes là au nom de l'État guinéen. Donc, ces cases-là sont revenues à sa famille et l'actuel président a même pris l'engagement de rénover là-bas et avant de procéder à la remise officielle à sa famille. Le président récemment a offert, il a rendu visite à sa femme, Hadjandré Touré, qui vit encore. Et le président, la semaine passée, lui a offert encore un véhicule 4x4 tout neuf. Et donc, beaucoup d'actes ont été posés et en sa faveur, le président, l'actuel président s'est rendu sur sa tombe, a fait des bénédictions là-bas. Et nous, chaque année, quand la date de la célébration, de la commémoration de son décès arrive, le 26 mars, nous partons sur sa tombe, le mausolée, nous nettoyons tout le mausolée, nous faisons des invocations pour le repos de son âme et de tous les autres compagnons. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Oh, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces détails. So, what happened after the death of Sékou Touré? So, firstly, after his death, there was a big crisis, it was a psychological crisis because Sékou Touré had governed the country during 2 decades. And several persons had quite violent reactions to it. So Abubakar told that a person even destroyed her radio when she heard that Sékou Touré was dead. It was quite so impressive that during a first period, people didn't know how to announce his death. So really, there was a period where the government didn't know what to do and what would be the reaction of the people. So there was a crisis, a social crisis, a psychological crisis, and a political crisis. It was quite a shock because Sékou Touré was the strong man of Guinea during more than 20 years. And so you had all a system around him. He was someone who had a tight grip on the country, which Abubakar thinks was necessary because the first 20 years of Guinea's history was a time where Guinea could very quickly slip again in a state of colonized country. So it really, if he hadn't had a tight grip on the country, France could have taken again the power in Guinea. So voilà. It was so. How Abubakar told before, Sékou Touré is a historical figure who is a bit contested. Ibrahim Babake wrote a book, Le Héros et le Tyran, so the hero and the tyrant, in which, in fact, he tries to study this complex figure and to see. What is the hero? What is the tyrant? Because some thinks that Sékou Touré was a bloodthirsty tyrant. Others think that he was a revolutionary heroic figure. So after his death, the army took over
and it was Condé who took over. It's important to know that Condé was Sekou Touré's right man. He really was the very near lieutenant of him. Some think that Sekou Touré knew that Condé would take over after his death. So in fact, as in French you said, he was his dauphin. So he was already his heir, political heir. So voilà. There was exactly a putsch, which in fact will become a repeating schema in Guinea. So you will have, in regular intervals, you will have a putsch. After the putsch, the constitution was suspended, so the constitution of Sekou Touré. Abouaka thinks that the new government destroyed much of Sekou Touré's system, which Abouaka thinks was partly necessary because Sekou Touré was a human being, so he did some errors, and that was necessary to build something new to destroy the old system. So Abouaka takes the image of a house. He thinks that if you want to build a new house, you need to destroy the old one. You can't simply start building a salon here and a kitchen there. But the problem here was that because the new government destroyed quite everything, they also destroyed things who were in fact good. So there were some aspects of Sekou Touré who were quite positive, who also were abolished. It's important to know that Sekou Touré was a revolutionary man. So he had this vision that the government needs to be revolutionary. It wasn't thought to be a democratic regime. So in fact, Sekou Touré had a quite tight grip on the country. Everything was quite controlled. With this new government, there was a phase of liberalization, a political liberalization and also economical liberalization, who in fact made that the people had more liberties. You didn't have only one radio station, but you had several ones. So there was this liberalization who started. Gondé died in 2008. After Gondé, there was a new junta. Then you had again a putsch, who again, those who made this the putsch were also killed. And after that, you have 2010, Alpha Gondé who takes the power. He makes two terms of, I think, 5 years. And after the second terms, with the new constitution, he had to stop. So he could only make 2 terms. But Gondé changed the constitution to be able to make a third term. But after his re-election, on a third term, there were a lot of manifestations and there were a lot of people who were quite angry. And so 5 December 2021, Gondé was overthrown by a new government who is the current government, who the new chief is Mamadi Doumbouya. And Doumbouya is known because, in fact, he's quite tough. So if you see a photo of him, he's quite this, quite muscular, he's a bit Rambo-like. If you like, you see his photo, he has something of a Rambo. So it's President Rambo. And this new junta is trying to reform the country and to make a phase of transition to again then open up elections. The situation currently is a bit complicated. There's a lot of political leaders who are still in exile, who have been exiled and can come back. And there's a great need for reforms. So that's more the evolution from the death of Sekou Touré until now. But concerning his political and ideological heritage, so
You can't forget Sékou Touré because he has governed Guinea during 24 years and he is synonymous with the independence. You are forced to speak about him, but ironically, he's often better known outside of Guinea than inside Guinea. So you have in several African countries outside of Guinea, streets who are named after him. You have monuments in his honor. You have celebration days. Why is it that? It's because there was a phase in Guinea where people tried to tarnish his image. Who tried to depict it, to picture him as a bloodthirsty tyrant. This has been come under new discussion. Who people are starting to say, like Aboubakar, that in fact you can't forget he wasn't a democratic leader, he was a revolutionary leader. So he saw his government as a revolutionary government. And so a government who needs to have a strict control on the country and to have a tight grip on the country because there was this looming presence of France. In fact, it's what Aboubakar explains. If Sékou Touré hadn't been this very strong figure, if he hadn't had this tight fist, this strict control on the country, it could have been that Guinea would have fallen into chaos and be again under French rule. He is also very important because he not only defended the independence of Guinea, but also defended the rights and the cause of all the black people in Africa. So he is one of these great pan-African leaders. Aboubakar, vous confirmez, on peut dire qu'il est un peu un leader pan-africain. Sékou Touré. C'est pratiquement l'un des... C'est le père fondateur du panafricanisme. Voilà, je me disais. Parce que l'idée du panafricanisme vient de lui. Voilà, ça a commencé avec la Guinée, le Mali, voilà, la Guinée, Ghana. Et donc l'idée du panafricanisme vient de lui. Voilà, merci beaucoup. So exactly, it confirms that he is the father of the Pan-African movement. So we have several figures, but he is among really is the godfather of the Pan-African movement. But it doesn't mean that you can't discuss his case. So Aboubakar, who has the movement Sékou Touréisme, he also says that in their movement, they discuss this figure. They are also saying, no, he wasn't perfect. He did things wrong because he was simply a human. And that he, if you rule a country during 20 years, you start making mistakes. So they also say that you need to have some critical view on this historical figure, and that you have the right to judge him and to say that he didn't do it quite well. But generally, it must be said that it was a great figure who, in fact, did a lot of good. That if you, in fact, make a balance of his errors and his things that he achieved, it's clearly the weight is on the side of his achievements. And you have a lot of, now you have this revival of his, for Sékou Touré, that you start having days was again celebrated for him. The current president of Guinea wants to rename the airport to Airport Sékou Touré. And so you have the revival where the idea of Sékou Touré, this historical figure, becomes again very, very important. So you had this phase where he was very heavily criticized and people try to depict him as a bloodthirsty tyrant. And now you are in this phase where he's being analyzed, yes, more critically, but also people are again celebrating him because he did a lot of great things. Well, okay. Those were all my questions. So I would just say thank you so much. Merci beaucoup, Aboubakar. It's a pleasure to speak with you, and I hope to stay in touch and continue discussing more out of the interview. So thank you.